maintenant donner la parole au pasteur Ali Kitoko, voilà, qui est de la délégation canadienne. Je commencerai d'abord par me présenter, Augustin Ali Kitoko, pasteur et membre de la délégation canadienne et représentant ou président des Amis de Moïse Katumbi, Québec, et vice-président de la Fédération canadienne. Tout d'abord, je commencerai par un mot que le président Moïse Tshiapoui a toujours dit, Djamboué. Djamboué. Excellence, chers conseillers, Excellences, différents présidents et membres des différents bureaux qui représentent les Amis de Moïse Katumbi partout dans le monde. Je parlerai ici au nom des Amis de Moïse Katumbi, de l'équipe dont je dirige et des efforts dont nous sommes en train de faire pour ce combat. J'ose croire que nous n'avons pas seulement à lutter contre un homme qui, de mauvaise foi, refuse de céder la place à d'autres acteurs politiques ou à notre très cher président Moïse Katumbi Tshiapoui, mais nous avons aussi à lutter contre tout un système mis en place par les différentes organisations à l'étranger comme en RDC. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, amis de Moïse Katumbi, nous vous remercions de votre présence en ce jour pour cette rencontre d'échange, discussion et signature des accords globaux qui nous représentent tous. Je ne saurais pas commencer mon allocution sans remercier les différents bureaux des Amis de Moïse Katumbi et tous les membres œuvrant dans cette équipe qui a permis ici en Belgique que cet événement ait lieu. Pour vous parler brièvement des Amis de Moïse Katumbi du Québec, Canada, dans son rayon d'action d'exploitation, les Amis de Moïse Katumbi Québec s'étendent dans tous les horizons et villes, particulièrement à Montréal, qui sert de bureau d'experts conseil pour la promotion économique, sociale, politique et culturelle, bien sûr technologique, environnementale et juridique en République démocratique du Congo, la formation du lobbying au Canada et ailleurs, la préparation de plateformes pour le succès de Son Excellence, le président Moïse Katumbi, les recherches des idées et des acteurs innovateurs pour une nouvelle RDC. Actuellement, les Amis de Moïse Katumbi, Montréal, Canada, servent de caisse à résonance pour dénoncer auprès des institutions canadiennes les exactions du pouvoir du régime actuel en RDC, afin d'obtenir encore des sanctions et des gels des avoirs du régime et de pousser le régime a respecté bien évidemment la Constitution et les accords du 31 décembre 2016. Les Amis de Moïse Katumbi Canada est constitué de quelques membres d'horizons différents et aux compétences diverses. Ensemble, ils mettent en place des idées, des stratégies, réflexions pour soutenir l'action du président Moïse Katumbi Canada, particulièrement à Montréal, et auprès des institutions non-américaines. Il sied de rappeler que Montréal, bien évidemment, regorge une forte communauté congolaise, dont 28 000 Congolais et 80 000 Congolais dans l'ensemble du Canada. Et compte des Amis de Moïse Katumbi, mais qui sont d'autres dans l'ombre, comme vous le savez tous. Le contexte politique de notre
pays est très exclusif et cela est dû tout simplement à la volonté d'un homme en fin de mandat refuse de quitter le pouvoir. Dans ce contexte, le président Moïse Katumbi-Chapwe a été le premier à dénoncer cette tentative d'usurpation de la souveraineté du peuple congolais et tout le monde se souviendra plutôt de la métaphore le troisième pénalty plutôt lors de son retour au Katanga après sa convalescence en Europe. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger et discuter, nous connaître davantage en tant qu'amis de Moïse. Et ce qui nous unit aujourd'hui n'est pas seulement la personne de Moïse, mais surtout sa vision politique et son amour pour le Congo. Nous devons rappeler que le paysage politique congolais a connu une succession d'acteurs politiques aux multiples compétences qui ont dirigé et accédé à des degrés divers à la gestion des institutions publiques du Congo et malgré leur bonne volonté, ils n'ont pas sorti les Congolais de la pauvreté, de l'insécurité, du sous-développement dans lequel le peuple est plongé depuis des décennies. Et regarde ceci pourquoi nous soutenons le président Moïse Katumbi. Cet homme a fait ses preuves dans sa gestion et sa bonne gouvernance de la province du Katanga. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, frères et sœurs, en tant que pasteur, ministre du culte, résident ou habitant à Montréal et au Canada, je salue cette unité de tous les amis de Moïse Katumbi. Dieu, Jésus, maman, papa, je voudrais terminer en vous disant merci beaucoup de faire ce geste d'unité. On a perdu ces valeurs dans nos habitudes, mais je vous félicite de cette unité. Je dis et je vous remercie. Il y a notre ami Soki qui va parler tout à l'heure, et ainsi que le président des amis de Moïse Katumbi de l'Angleterre, notre cher ami Porfi. Voilà. À vous la parole, Francis. Son Excellence, Monsieur le conseiller représentant de Monsieur Moïse Katumbi-Chapwe. Ses Excellences, les représentants de différentes structures publiques, Monsieur le Président des Amis de Moïse Katumbi, Belgique, chers compatriotes, distingués invités, l'heure est grave. L'heure est grave par le fait que le pays est dans le gouffre, le système démocratique et délabré, les tissus économiques du pays est délabré, la tergiversation de la classe politique a atteint son comble et la déficience de la maturité politique fait endosse à la démocratie. Notre Excellence, M. Moïse Katumbi, prône la liberté, le développement et la démocratie afin que le peuple congolais puisse retrouver le bien-être social. Dans le contexte de cette première conférence internationale des amis de Moïse Katumbi, nous avons voulu réfléchir ensemble pour connaître notre identité, pour reconnaître nos orientations, nos stratégies et ce que nous devons faire pour le contexte d'actualité démocratique de notre pays. Vous comprenez que la démocratie souffre dans notre pays et à cette conférence, nous avons voulu réfléchir. Vous comprenez que la démocratie désigne un système politique et un système politique est un mode d'organisation de l'État.
dans un système politique, on trouve notamment les régimes politiques. Et les régimes politiques, on peut avoir différents sortes de régimes politiques. Régime parlementaire, régime présidentiel ou semi-présidentiel. On peut avoir aussi des régimes d'assemblée ou régime fédéraliste. La structure économique, l'organisation sociale, les institutions, l'administration publique et la gouvernance, ou la gouvernance démocratique ou la gouvernance publique, devraient constituer les acquises d'une démocratie dans un régime politique. Et dans ce contexte, on retrouve aussi dans un régime politique, dans sa pratique, soit la démocratie, soit la monarchie, soit le fédéralisme, ou le totalitarisme, ou l'autoritarisme. Pour les Grecs, vous allez comprendre que le système politique qui était connu à l'époque, c'était la monarchie, l'oligarchie et la démocratie. Pour raison des connaissances et des préparations du débat, nous allons définir le multiple système politique à travers le monde et faire une comparaison par rapport à ce système politique et qu'est-ce qui se passe au Congo. Cela nous donnerait une idée, une réflexion pour soutenir réellement la pensée, la vision et l'idéologie de M. Katou. Dans un système théocratique, dans la théocratie, c'est un système politique où la légitimité politique découle de la divinité. La souveraineté y est exercée par la classe sacerdotale qui cumule le pouvoir temporel et religieux. Et la théocratie qui signifie gouvernement de Dieu. Et dans la théocratie, le titulaire de la souveraineté est en effet la divinité. Et dans son exception première, le terme théocratie désigne uniquement l'idée que Dieu gouverne. Au contraire, depuis le 22e siècle, le terme théocratie est le plus souvent employé pour désigner les régimes politiques fondés sur les principes religieux ou gouvernés par des religieux. Et quand nous sommes dans un système politique ou système féodal, la féodalité est un système politique et a notamment existé en Europe entre le 10e siècle et le 12e siècle, dans lequel l'autorité contraire s'associe avec les seigneurs locaux et ceci avec la population. Selon un système féodal, il y a l'obligation de service. Et le terme féodalité est issu d'un bon latin que nous disons féodo, qui veut dire fief, c'est la terre. Et la féodalité est un système politique dont l'autorité centrale a été affaiblie et le pouvoir souverain est attribué à des principautés et des fiefs et des seigneurs de terre. Et dans le système monarchique, et nous disons, la monarchie est un système où le gouvernement, l'État est dirigé par une seule personne qui exerce le pouvoir. Et le système autocratique, c'est un système où le pouvoir est détenu par une classe unique. Et un système autoritaire est caractérisé par la dictature militaire, l'oligarchie raciale, l'aristocratie et la dictature à tous les trois niveaux des institutions publiques. C'est pourquoi, quand on compare un système autocratique à un système démocratique,
Qu'est-ce que nous allons dire dans un système démocratique? La façon, c'est une façon directe. Et une façon de faire participer la citoyenne, les citoyens dans la gestion quotidienne de notre, du pays. Et en fournit ces définitions scientifiques des systèmes politiques, il vous revient à définir, à la lumière de cet exposé, est-ce en République démocratique du Congo, nous avons un système démocratique ou un système dictatorial? Et si nous avons le contraire, ce qui n'est pas un système démocratique, un système autoritaire, c'est ce que M. Moïse dénonce. Parce que c'est un système qui ne prône pas le développement d'un peuple. Nous ne pouvons pas soutenir M. Moïse Katumbi sans connaître les systèmes qui règnent actuellement dans notre pays. Cela, ça doit démontrer notre motivation, notre détermination à soutenir le système politique que M. Moïse veut mettre à l'œuvre. Vous comprenez que l'histoire de notre pays est passée par beaucoup de tergiversations. Je vais vous en donner quelques-uns pour comprendre que nous tournons en rond et il n'y a pas de développement. Malgré la richesse, malgré les ressources minières ou naturelles, le pays est toujours dans le gouffre. Mais M. Moïse Katumbi fait la promotion de cet État. Il veut l'émergence de cet État, le développement et le changement. Vous allez vous en souvenir, c'est depuis l'État indépendant du Congo, 1885-1908, la colonisation, le peuple congolais dans la souffrance. De 1908 à 1960, c'est le Congo belge, le peuple congolais dans la souffrance. Et l'accession à l'indépendance est intervenue dans la période de 1956 à 1960. Après cette période, nous allons comprendre qu'il y a eu des mouvements, comme celui de M. Kimba, comme celui de l'Église catholique avec les livres de M. Cardinal Mamouna, avec la conscience et la renaissance, et les intellectuels congolais ont dénoncé ce système de colonisation. Mais après cette période coloniale, nous avons connu de 1965 à 1997 la Seconde République qui a été marquée par la mise en place d'une dictature pendant 32 ans. Cette période a été caractérisée par la zaïrialisation et les recours à l'authenticité qui a détruit les infrastructures du pays qui ont été léguées par les Belges. Et de 1989 à 1997, il y a eu la chute de M. Mobutu. Et le 17 mai 1997, le système actuel est entré en danse. Et le système actuel a épousé le manière, les façons de faire du mobutisme. Et le système actuel a adopté la dictature qui a été orchestrée au Congo depuis 32 ans. Mais M. Moïse Katumbi dit non à ce système. Il dit non à cette façon de gérer le pays. Depuis le 17 mai 1997, le pays est rentré dans une phase de délabrement avancé. Vous comprendrez, en 2006, il y a eu des élections présidentielles, mais ces élections ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. En 2011, il y a eu des élections. Ces élections ont été entachées des irrégularités. Le 7 septembre 2013, le gouvernement actuel appelle la concertation politique. Mais cette concertation a accouché d'une souris parce que toutes les résolutions qu'ils ont obtenues pendant ces concertations de septembre 2013, 700 résolutions n'ont pas été appliquées.
Et le premier ministre a été nommé plus tard, seulement un an après, en 2014. Et l'État était toujours dans le trou. Le 18 octobre 2016, ils ont signé un accord de l'OIA. Ce qu'on appelle l'accord qui était non exclusif. Cet accord a mis encore le pays en otage. Cet accord a été dénoncé. Le 20 décembre, c'était la fin du mandat du président Kabila. Mais il a refusé de partir et il s'est imposé et il continue à diriger par défi. Et cette façon de diriger le pays est arbitraire, inacceptable, car le peuple congolais souffre. Le 31 décembre 2016, un accord a été signé. L'accord de Saint-Sylvestre. Mais cet accord souffre de son application. Cet accord n'est pas appliqué jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 avril. Rien n'est encore effectué. C'est pourquoi, chers amis, nous devons soutenir la vision de M. Moïse Katumbi. J'ai commencé depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui, le 22 avril 2017, le peuple congolais souffre et tourne en rond. Nous devons dire non à ce genre de système. Nous devons dire non à cette pratique. Nous devons dire non à la finissement du peuple congolais. Et nous devons avancer. C'est pourquoi aujourd'hui, tenons-nous main dans la main pour aider M. Moïse Katumbi à briguer la majesté suprême. C'est lui notre autorité morale, c'est lui notre président. Je vous remercie. Merci, Père Francis. Voilà, nous allons aller plus vite encore. Je vais passer la parole au représentant des amis de Moïse Katumbi, Grande-Bretagne, mon frère Pamphile Widina. Je dis bonjour. Oh, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Monsieur le conseiller, merci de votre présence parmi nous. Merci aussi à mes collègues présidents et merci à l'Office de l'Assemblée pour venir cet après-midi parler de notre nation qui est la République démocratique du Congo. Mes prédécesseurs ont dû parler. J'ai que 5 minutes. Mais ces 5 minutes, je voulais parler de notre nation qui est les Congos. Notre nation est hypothéquée. Je préfère parler en français ou en lingala. Lingala. C'est bon. Ma maman, oye. Oye. Ma maman, oye. Oye. Ote le bateau, ote le bateau. De notre nation, le Congo. Babiso Baba m'a tenu, Bokassa a dit. Au tout bon moment, au tout bon le problème pour le Yéli Awa. Objectif de ses amis, de l'inguer les sources comme on a beaucoup à la moutou à Boka. Maintenant, les qui le disent. Professeur Montan, ton solo là, pour la Akene, à l'unité, pour y mon Koyiba, à l'Igoïba, je suis apprécié. Non, cette fois-ci, c'est fini. Peuple congolais, c'est le temps au Téléma, pour la Ozoa, pouvoir la yo. Hier, j'avais dit, avant, il n'a pas conduit par défi. En 2006, il y a des élections avec Bemba, il n'a pas gagné. En 2011, il n'a pas gagné avec le président Tshisekedi, le feu président Tshisekedi. Mais en 2016, Akende a l'invité. A comme gouverneur de la Makasi. Ton père, c'est un Wanate. Monsieur Kabila, il nous écoute ce soir. Pour nous,
S'il n'y a pas d'élection en 2017, en 2018, il ne sera plus là. Objectif, Oyo, Bissoua Congolais, Toro Koloba Lelo, Constitution de présentation de l'article 64, nous avons le pouvoir. Nandera ma casse, Bissot Samosanini, donc c'est le temps maintenant que le peuple congolais puisse savoir une chose, que nous avons le pouvoir entre notre main. L'armée la plus puissante du Congo, c'est le peuple congolais. Il ne va pas se tenir. Nous sommes 80 millions d'habitants. Nous avons la force de faire partie. 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 Nous avons la force de Mais pour tout le monde, maman merci. Fin de l'année. Il faut attendre. Il faut Kabila attendre. Pour organiser l'élection. Problème des amis Moko. Kabila n'est pas en face, c'est le peuple congolais. Oui. Allez, on a fraudé, ma chère, on a fraudé, trop tigre, elle est toujours tentée. Allez, on respecte ma corps, parce que ma corps, on te va initier. Comme on respecte ma tête, il est le président de la République démocratique du Congo. C'est fini. Terminé. Nous voulons celui qui sera élu comme président, il faut arrêter Otobeni. La démocratie. C'est pourquoi notre chairman Moïse Katumbi Tshakwe, c'est un bon exemple. Hier, on a dit que la gouverneur, quand on a un coquille, il a accueilli. C'est un bon exemple. Quand on a un coquille, quand on a un coquille, mais on a un coquille, on a un coquille de la magistrature suprême. Donc, on a une élection, a gagné l'élection pour 5 ans. Une fois renouvelable, tu veux qu'on pèse un sous à Kangi 10 ans. Mais toi, comment la soude à Valino, là on s'est représenté du sous-souté, c'est ça que nous voulons chez nous au Congo. Nous voulons la démocratie, nous voulons que les choses changent. Et le peuple congolais soit capable de diriger leur nation, la nation congolaise. Le président de la République démocratique du Congo qui sera élu démocratiquement. Mon frère a dit il y a 5 minutes. Je vais finir. 2 minutes, merci. Je vais finir pour dire une chose. L'unité fait la force. Ce qui te s'en tous les gens qui ont été moko, qui ont été Kabila. Mais le problème est que les Congolais, tous les gens qui ont été moko, ils ont été moko. Ils ont été moko. Mais ils ont été moko. 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 Ils ont été tous à la force, tous à la unie pour faire partie Joseph Kabila na pouvoir Oyo Yazani Namo. Mais on veut être sous-présidenté parce que comme il y a saboté ma corps, tout saboté
Yeah. Je viens vous remercier. Merci beaucoup. J'aimerais aussi, avant de résumer tout ce qui a été dit ici, j'appelle le docteur Antoinette Joué pour la commission santé. Antoinette, oui, c'est ça. Santé. En tant que médecin, et je suis dans ces pays pour faire une spécialisation, la santé c'est la clé du progrès socio-économique de tout un pays. Parce que la santé c'est le capital humain. Et nous voulons vraiment que la santé au Congo soit santé pour tous. Et quand nous insistons sur ça, le budget alloué au ministère de la Santé en RDC est 0,1%. Et si nous allons même à l'intérieur de province, c'est insignifiant. Et nous préconisons, avec la présence de notre président Moïse Katumbi, nous voulons vraiment que ces budgets soient revus à la hausse. Parce que cela va nous permettre d'entrer l'accès, l'accessibilité aux soins de santé pour tous et jusque aux zones de santé à l'intérieur de province. Et nous sommes là pour déplorer les déséquilibres qui s'est institué en RDC Congo, en équipement, en matériel et même pour la formation continue du personnel de soins de santé. Tout laisse à désirer. Donc, nous avons vraiment été succincts. Nous avons parlé de la couverture sanitaire pour tout Congolais. Et de deux, nous avons insisté sur la formation initiale et continue de personnes de soins de santé et médecins spécialistes. Et de deux, troisième élément, nous avons insisté sur l'assainissement de la ville. Ça, j'entre dans la prévention. Parce que pour être en bonne santé, nous déplorons actuellement, il y a des maladies qui ont été éradiquées, il y a des cela de décennies, et aujourd'hui, nous sommes en train de voir la prolifération de maladies diarrhées et le vaccin laisse à désirer. Donc nous implorons la prévention primaire, secondaire, et tertiaire. Pour en fait, je n'entre pas dans le mais j'insiste. On nous a toujours prôné dans les millénaires de développement en santé, on nous a parlé santé pour tous. Mais mes bien-aimés, moi je vais jusqu'à l'intérieur de Bandundu profond, je vois la misère, la malnutrition, les maladies colériques et d'autres maladies éradiquées. Il y a encore une recrudescence. Donc nous implorons, on parle de prévention, l'assainissement en eau potable et en denrées alimentaires. Et j'insiste sur ça. Et le suivi, parce que tout ce que nous avons étalé, tout a été déjà fait. Ce ne sont pas les textes qui manquent en RDC Congo. Et j'insiste sur ça. S'il s'agissait des diplômés, en RDC, il y a des scandales en diplôme. Mais ce n'est pas ça, c'est la volonté. Et la promesse de Grand Bandundu, c'est le meilleur de tous avec des immeubles et des quartiers dans la province de Bandundu. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, désolés, malgré nos diplômes, nous sommes tout petits devant même l'homme blanc. Parce qu'avec nos diplômes, avec tout ce qu'il y a autour de nous, nous n'arrivions pas à réclamer le budget alloué au ministère de la Santé.
Voilà, très rapidement, j'appelle la commission des infrastructures et technologies, monsieur Désiré Doma, si vous êtes. Il est pas là. Est-ce qu'il y a son adjoint, il n'est pas là? Est-ce qu'il y a commission infrastructure? Parce que je ne vois qu'un nom ici et puis un deuxième, Alain. Est-ce qu'Alain est là? Vous n'êtes pas là? Ok, ça. Hier, nous n'avons pas reçu par retour le document qu'on avait révélé à la commission éducation. Alors, si mademoiselle Natacha est là, je vous serai prêt de venir nous présenter, mais succinctement et rapidement, ce que vous avez noté dans votre document de travail. Est-ce que vous êtes là ou pas? Voilà, venez mademoiselle. Réfléchi justement sur différents points qu'on peut apporter comme amélioration justement pour nos frères congolais qui sont justement jeunes, mais malheureusement, comme a dit précédemment, les diplômes ne valent pas vraiment ce qu'ils font. Donc, entre autres, on a réfléchi à 10 points et alors on pensait à justement on pensait à la construction et à la création justement des écoles d'abord. Les écoles primaires, ce serait intéressant justement de remettre tout ça à l'œuvre. Mmh. Ensuite, octroyer des bourses aux jeunes étudiants pour pouvoir interchanger entre différents pays, ça peut être entre les Africains ou éventuellement en Europe ou alors aux États-Unis. Mmh. Alors, encourager aussi les enseignants parce qu'en même temps, s'ils gagnent bien, ils n'ont pas la motivation pour aller enseigner des gens. Donc du coup, ça, c'est important qu'ils... une bonne rémunération. Ensuite, justement, penser aussi aux handicapés qui sont un peu exclus. Donc, créer des écoles pour les aveugles, les personnes avec une mobilité réduite, ça serait aussi intéressant. Ensuite, favoriser justement les écoles, la petite enfance avec les crèches. Les femmes aussi ont besoin justement de cette liberté pour avoir une part de la société. Voilà, dans les thank you.